Je vais vous présenter donc la carte option pour IO 32. Donc c'est une carte qui se plug sur la IO 32. Ceci. Voilà. Donc vous disposez ici des 32 in sur des connecteurs rapides ou pas. Hein. Vous pouvez choisir l'option sans connecteur. Donc vous auriez des pastilles à souder. Et par contre ici vous avez des sorties qui sont bufferisées. Donc la tension ici, j'ai une ampoule de 12 volts. Donc on va l'essayer. Donc je vais la mettre sur la sortie 11. Voilà, comme ceci. Masse que je relie à la masse. Voilà. Ici, j'alimente la carte en 12 volts. Donc il y a un petit plus ici. Voilà. Donc j'alimente la carte en 12 volts. Et je mets une masse de 12 volts. Voilà, j'alimente ici sur une alimentation stabilisée, rien ne s'allume. De l'autre côté, j'ai lancé Sioc avec un petit programme derrière. Donc je vais simplement faire un clignotant. Voilà, donc là, je repointe là-dessus. Je lance ici le script. Et voilà, donc la sortie. C'est simplement un clignotant. Voilà, donc 12 volts. Là, je suis à peu près à 100 mA. Bon, bien sûr, les boîtiers ne dissipent que 1 watt 5, 1 watt et demi. Donc, je ne pourrais pas mettre 8 ampoules sur un boîtier, hein, puisque un petit boîtier ici a 8 sorties. Donc, je ne peux pas mettre, si j'utilise toutes les sorties, je ne peux pas mettre 8 fois 100 mA. Ça serait trop 8 fois 100 mA, ça serait trop important pour la dissipation du boîtier. Mais vous pouvez monter jusqu'à 50 volts. Le tout, c'est que ça dépasse pas par boîtier 1 watt et demi.